Bon, je vais commencer avec ma voisine. Ma voisine et moi, on se connaît, ça fait aussi les mêmes années, 4 ans. Et en toute honnêteté, voisine est en face de chez moi. J'ai dit tout ce que je vais dire ici, si je mens, elle viendra dire que j'ai menti. Voisine habite en face de moi. Elle a fait 2 ans en face. Je ne l'avais jamais vue et on ne se connaissait pas. Un jour, je vais au bar, mon ancien bar que j'avais ici à Rouen. J'arrive, je vois une fille. On me dit que c'est elle, Compressor. Compressor, c'est qui? C'est elle qui chauffe sur les réseaux sociaux avec Fleur de Lune, nanana. Je vais aussi vous prendre un autre exemple bête. Mon ex-copine de Paris, elle m'avait fêté l'anniversaire à Paris il y a longtemps. On arrive, on voit une fille qui entre, elle a les cuissardes en Louboutin, mince comme ça. Mon ex-copine m'a dit, c'est elle. Elle avait dit qui? C'est elle la veuve joyeuse. Veuve joyeuse, c'est qui? Mais c'est elle qui chauffe sur les réseaux sociaux, non? Elle était en très fine, belle, mince. Pour vous dire que, je vous jure, je ne connaissais pas, je ne connaissais rien des réseaux sociaux, c'est pas. Jésus dit que si tu veux me voir me gâter, amène-moi en boîte de nuit. Je vais danser, on va se gâter, on va parler, on va être bien. Les bars, ce n'est pas mon truc. Si tu veux me voir bien, boîte de nuit ou casino, tu vas me voir là-bas. Je vais danser, on va chanter, on va boire, on va s'amuser. Le reste, ce n'est pas mon truc. On me dit que voilà, compresseur. On arrive, donc, on s'amuse. Ah, nanana, nanana. À l'époque, j'étais très lourde. J'ai pris un billet de 100 euros, j'ai choco, ma voisine. Elle me dit que j'habite en face. Ah bon? Ok, on s'est échangé le numéro. Quand voisine et moi, on commence à. Quand voisine et moi, on commence à se fréquenter, en toute honnêteté, j'ai dit tout ce que je vais dire là, voisine viendra pour confirmer. Je la connais, elle va venir me répondre à taper, c'est là où j'ai menti, là où j'ai dit la vérité. Je ne connais pas, parce que tout Rouen m'a fait des problèmes, que c'est moi qui donne Thierry à ma voisine. Non. Voisine a déjà fait 2 ans en face de ma maison. On commence donc à se fréquenter. On est bien, on se parle. Je sais que le mari de voisine est. Il était encore à la colline, je ne sais même plus où il était encore, à la colline Sainte. C'est là-bas que le mari de ma voisine était. Donc on est là, on attend que notre mari va arriver. On est bien, on appelle la maison, les 18 ans d'âge, tout se passe bien. Je suis bien avec ma voisine. On est trop, 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 trop bien. Ça, franchement, cette fille. Et moi, on était comme ça. Donc, quand voisine est amie avec moi, je ne connais pas que voisine est dans un truc compliqué. Donc, voisine est dans une relation compliquée. Et moi aussi, quand j'en prends derrière dans les rumeurs que il y a un truc compliqué avec voisine, moi, je saute sur l'occasion pour exploiter voisine. Oui, pourquoi? Parce que Tatiana Cornier, vous savez ce qui s'est passé entre elle et moi. Vous-même, vous savez ce que j'ai eu comme accusation. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas parlé de ça ici. Ce n'est pas possible. Donc, je saute donc sur l'occasion. C'est moi qui fais en sorte que voisine officialise. Oh, dans le sens où, je profite en quel sens? Quand voisine arrive à Rome, toutes ces filles-là étaient derrière voisine comme des vermicelles. Tout, elles étaient remplies. Pour elle, on a quelqu'un qui va venir nous terroriser, celle qui dit patron de Rouen. Vous comprenez, non? On a quelqu'un qui va venir nous faire terroriser, celle qui dit qu'elle chasse les gens à Rouen, celle qui tue, celle qui dit qu'elle est ci, celle qui dit qu'elle a le brassard, celle. Elle raconte toute ma vie à ma voisine. Quand moi j'arrive au bar, elles sont assises avec voisine comme des petites vermicelles. C'est-à-dire que toutes les vermicelles, là, j'ai versé même le vinaigre de cidre dedans. Voisine, vous voyez que quand j'arrive au bar, les gens qui ont mal parlé de moi, raconté toute ma vie, quand ils me voient, voisine a commencé à guetter ça avec un air que pour être bien, mieux je parle là-bas. Le groupe de 10 millions de personnes, si, c'est pas la peine. Vous comprenez, non? C'est pas la peine. C'est comme ça que voisine vient vers moi. Et moi aussi, je profite pour faire du mal à Tatiana. Parce que vous savez quand même ce qui s'est passé.
Je prends donc voisine, je mets, on est ensemble, je dis, le tout si tu es devant le mur de Berlin, tu vas sauf que faire ça. Tu vas sauf que le faire publiquement, voilà, dans ma maison, partout. C'est ce que j'ai fait. Je dis, on me dit la vérité, rien que la vérité. Quand je lui dis, tu dois officialiser, et c'est moi qui vais mettre ça dans mes statuts. Je poste, je fais faire ça, c'est moi qui ai tout posté, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai fait. Déjà, voisine maman m'avait utilisé. Un jour, notre mari déjà rentré de la colline sainte. On avait un anniversaire, j'ai une amie qui fêtait l'anniversaire de sa fille. Elle avait acheté la voiture à sa fille et c'est moi qui devais donner l'éclat. La petite, ma voisine, elle a, ma voisine a un garde du corps. Là, pourtant, le garde du corps avait déjà fait le commérage que voisine a eu le premier en bas de la maison avec, son, avec Thierry. J'appelle voisine et dis, ton garde du corps m'a dit que, apparemment même le garde du corps là m'a dit, mais il n'est plus gros, son garde du corps. Ton garde du corps m'a dit que, tu as eu un problème, voisine, je voudrais te dire. Et à la, après, elle m'a dit, voisine, non, 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 on ne parle pas, nanani. Ok, qu'est-ce que je fais? Je saute sur l'occasion. Vous êtes partie derrière ma voisine pour faire quoi? Pour me faire des problèmes, non? Voisine vous a donc lâché, elle est venue vers moi. C'est comme ça que ma voisine et moi, on commence à être ensemble. Ma voisine et moi, on est bien, 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 bien. On n'a pas de problème. Juste à ce que, boum, Michel et son mari arrivent. Là où nos problèmes commencent. Et j'avais dit ça, voisine, que tu as deux personnes dans ta vie. Voisine, tu es une bonne personne. Tu es sensible. Tu as deux personnes dans ta vie que quand les personnes vont te toucher, tu vas comprendre. Je ne suis pas une sainte, hein. Moi, je ne suis même pas d'abord une victime. Je ne suis pas une victime. Moi, je ne suis pas le genre de fille que elles n'ont jamais rien fait de mal. Elles font toujours des choses bien, bien, bien. Moi-même, je fais des choses mal. Moi-même, si tu me cherches, tu me prouves. Il y a des moments, je sais, mais il y a des moments, on vient aussi me chercher, mais quand j'agis, les gens ne voient pas. Quand j'agis, c'est là où les gens voient. Mais quand on me cherche, les gens ne voient pas. Quand Michel arrive vers nous, mes premiers problèmes avec ma voisine. En voyage, il faut avouer que quand même que je suis manipulable. Je me suis bien fait manipuler. Oui, je reconnais. Je voyage. Dans l'avion, je suis avec des gens. On rencontre Fleur de Lille. Et elle est en clash avec voisine, ennemie vraiment. Et je vous jure que Fleur de Lille ne me dit rien du tout. Je ne l'ai même jamais vue. C'est là où mon ami me dit, voilà Fleur de Lille. On a passé la haine et nous avons allons. Comme tu es la la voisine de compresseur, tu vas te présenter. Elle va être gentille avec toi. Allons la saluer. J'ai d'abord refusé. Non, je suis manipulable. Ça, il faut le dire. Manipulable même c'est trop dit. C'est parce que moi, quand tu es avec moi, mon type m'a toujours dit ça, que tu es le genre de maman que quand l'enfant se l'accuse, qui a raison. Moi, je suis comme ça. Il faut que je change cette habitude-là, franchement, il faut que je change. Je lui dis pardon, je n'ai pas envie. Laissons le téléphone, laissons le téléphone, on ne fait pas les vidéos. On a laissé le téléphone parce que je ne voulais pas trahir ma voisine. On ne va pas trahir ma voisine. On laisse les téléphones. Quand on arrive là-bas, Flore, elle m'en a fait deux cadeaux là. Je lui ai fait un cadeau. Elle aussi m'a fait un cadeau. On a parlé. C'est toi la voisine. Rien, rien, rien. On a même parlé. Ils ont commencé à me poser beaucoup de pas mal de questions. Est-ce que Pimenterie a fait si. Elle dit que cette fille n'a jamais vendu du piment. Jamais. En fait, je savais que c'est les questions que les gens cherchaient. Pourquoi je parle de compresseur? Pourquoi je dise? Le lendemain, et ma copine a dit à Flore que, pardon, non. Flore m'a pris en photo. Vous avez vu comment la photo l'a couru sur Facebook. Les gens vont dire que je suis fausse. Je ne suis pas fausse. Je suis très fidèle en amitié. Mais moi, quand j'ai mes problèmes, personne ne m'aide. Même ma voisine ne m'a jamais soutenue quand j'ai des problèmes. C'est-à-dire que prendre sa caméra et venir dire, moi, comme j'ai souvent fait ici à Rouen, hey, ma voisine, oh ceci. Je me suis mise plusieurs personnes à dos contre ma voisine. Mais quand elle est venue me lâcher comme elle m'a lâché, je n'ai pas digéré. J'arrive au Cameroun, j'appelle, premier coup de fil, j'appelle ma voisine. Je lui dis que voisine, j'ai chié. Parce qu'on m'a dit,
Non, j'appelle sa mère parce que c'est qu'on me dit que on m'a déjà publié avec Flore. Hey, j'ai chié sur moi, je fais quoi? Forcément que je mette les couches, j'enlève les légères, je mets les légères, je mets les couches, je fais quoi? Voisine, j'ai chié. J'étais avec ton ennemi. Je l'ai appelé, expliqué. C'est vrai que ma voisine, elle n'avait pas loupé ma copine là. Elle avait bien franconné, c'était entre elles là-bas. Pap, 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 pap. Je laissé gérer. C'est ma copine, c'est ma voisine. Jamais je vais me lever pour aller m'appeler de ma voisine chez ma copine. Jamais je vais me lever. Pareil, je ne connais pas. Moi, quand j'ai une amie, ne viens même pas tester pour dire que tu veux m'appeler de mon ami autour de moi. Mais si tu es mon ami, elle va m'appeler de toi. Et je vais assumer. Déjà, tout ce que je fais dans ma vie, j'assume. Hein. J'assume tout. J'ai trahi ma voisine. J'ai suivi mon ami. Je suis mal. J'ai eu du mal. Ma mère regardait dans la glace. J'étais pas bien. Je l'ai appelée. Elle n'a pas digéré cela. Elle était très mal. Elle était mal, ma voisine, franchement. Après, on a continué. Mais, entre-temps même, j'ai vu comment ma voisine était mal. Et alors que, moi-même, quand ma voisine marchait avec certains de mes ennemis ici à Rouen, je n'avais pas vu ma voisine mal. Hein. Moi, toutes mes copines, tous mes amis, tous les gens que j'ai eu ici à Rouen, et qu'ils ont créé les petits bandes, les petits amis derrière, c'est toujours derrière mon dos. Que tu as mis avec quelqu'un. Non, laisse cette personne, méfie-toi d'elle. Mais aujourd'hui, je les vois ensemble, je ris. Je ris. Moi seul, je bagarre avec 10 000 personnes, donc je n'ai même pas besoin d'un groupe derrière moi. Quand je reconnais mon erreur, elle me dit que je reconnais mon erreur. Première trahison avec ma voisine. Je fais comment, je demande pardon. Pac, quand ma voisine a les problèmes avec Coco, Nadège, toutes ces filles-là, voisine a des problèmes avec eux, avec elles. Je suis au téléphone. Parce que quand moi j'ai une meilleure amie, quand il y a une situation, un téléphone bizarre, j'appelle d'abord mon ami. Je lui dis. Donc, quand Michel m'appelle, mon ami et moi, on est en ligne. Je lui dis que tu entends encore l'autre ici. Je fais comment? Michel me dit, pardon, à genoux. Appelons Coco Kouetou. Coco Kouetou, c'est qui? Appelons Coco Kouetou. Pour lui dire que il faut qu'elle arrête, qu'elle pardonne compresseur. Et pardonne compresseur qu'il y a eu quoi, maman? Bétérole comme je suis, j'entre avec Michel. On appelle Coco. J'entends qu'on a fini d'enregistrer. Oh, on se l'a dit que la quoi a fait, que la namatrieuse a fait, la nanana, nanana, nanana. On chante encore mon nom. J'appelle encore voisine, dis voisine. L'histoire-ci. C'est Michel qui a dit qu'on appelle Coco. Elle a dit, comme tu es une grande soeur qu'on aime et qu'on respecte, il faut appeler Coco. Il faut. Ok. Je suis obligée, je suis déjà entrée. J'ai suivi Michel comme un mouton. On l'a appelé. Voilà un deuxième problème avec ma voisine. Et je reprécise que, entre-temps, voisine est toujours amie avec mes ennemis. Déjà, je n'ai pas d'ennemis. Pour eux, moi, je ne considère même pas ça comme des ennemis. Les gens avec qui tu as marché, vous avez créé, vous avez partagé des choses, vous avez mangé ensemble, vous avez porté les mêmes habits. Pour moi, c'est un petit moment de froid. Après, ça va passer. La pire donc des conneries, les vrais problèmes avec ma voisine, c'est quoi? Il y a réunion chez moi où il y a Thierry. À mon ancien appartement, avant que je sois ici. Où il y a Thierry, Thierry commence à bagarrer. Je vous jure, je mets témoin. Je dis que j'ai fait peur à Thierry. J'ai filmé, je vais me casser les réseaux, je filme, je vous jure. Michel et moi, on s'envoie souvent des choses. Elle m'envoyait des choses graves. Je lui ai aussi envoyé des choses. Pour moi, c'est quelqu'un digne de confiance que par rapport aux choses qu'elle m'a déjà envoyées dans mon téléphone, elle ne peut pas faire que je lui envoie une vidéo et elle partage pour moi. Et c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un de parole. Elle est vraie, elle est honnête, elle s'est parlé. Pour moi, deux jours après, Michel et moi, on a encore de parler. Comment papa, toujours dans notre Dieu, Congo, ça, maman, j'ai alors fait peur à Thierry hier. J'ai dit à Thierry que je vais mettre sur Facebook, je l'ai filmé. Ah bon? Je dis oui, envoie. Ton beau et moi, on va regarder, on rigole. Vous entendez? Il dit, Tatiana est mon ennemi.
Si j'ai envoyé cette vidéo à Tatiana, je vais le dire aujourd'hui. Parce qu'on m'a envoyé une vidéo avant-hier. C'est ça qui m'a même poussé à venir parler. Que ma voisine dit que je voulais faire tout. Que Michel soit mis avec Tatiana. Et j'ai pris la vidéo. J'ai donné à Tatiana. Voisine, ça veut dire que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, ma voisine. Non. J'envoie la vidéo à Michel par rapport à ce qu'elle aussi m'a dit souvent. C'est qu'on s'envoie. J'ai dit qu'on s'envoie sur ma pile. Donc, pour moi, ce qu'elle m'a bien envoyé, si moi je sors, c'est une bombe, je ne sais pas comment appeler ce genre de bombe. Je suis encore couchée. Entre temps, on revenait de la soirée, parce que j'ai un fils là au Havre, un très bon DJ. Jusqu'à, je lui donne même l'argent, hein. Floca, tu me fais quoi? On était à la soirée, c'est moi qui négocie le cachet de Fleur de Lille et de Compressor. C'est moi qui négocie le cachet, le petit, mon fils me donne l'argent, je ne vais pas donner à Compressor et à Fleur pour aller à la soirée. Parce que c'était mon anniversaire. J'envoie la vidéo, parce qu'en tout temps, Bernard était là aussi, Bernard, je ne sais pas comment l'appelle, qui le tapeur, c'est qui là, non là. J'envoie la... Oui, il y avait Bernard. On revenait de la soirée. C'était 2 jours après la soirée. J'ai envoyé la vidéo à Michel à 21h. C'est Michel qui me réveille. Parce que moi, à 6h, comme je vous ai dit, moi, le matin, si je n'ai pas prié, je n'allume pas mon téléphone. Si je n'ai pas fini de faire le sport, je ne touche pas mon téléphone. Moi, le réveil, ma prière, mon sport, et après, j'allume mon téléphone. Quand j'allume mon téléphone, Michel m'a dit appelé 40 000 fois. Je rappelle, tu as fait fort. J'ai fait fort par rapport à quoi? La vidéo d'hier que tu as envoyée. Il dit, Michel, tu es malade. Ne joue même pas ça avec moi. Même à mon ombre, je n'ai pas envoyé ça. Toi seul que j'ai envoyé. Michel me dit ceci. Pardon. Encore avec mon nom sur le réseau, ne dis pas que c'est moi que tu as envoyé. Lui dit que je dis à qui? Que j'ai envoyé au ciel? Que j'ai envoyé à mon homme? J'ai envoyé à qui? J'ai dit que j'ai envoyé la vidéo là à qui? Michel, c'est à toi seul que j'ai envoyé la vidéo? Maman, je me lève. Tellement que je suis mal, une autre trahison. Je suis très mal. Je pars chez la voisine, pense chez elle, la grande qui vit. J'appelle la voisine, j'appelle, je toque. Voisine me guette. Une femme qui te risque comme moi, c'est comment? Tu te rends, tu as déjà demandé pardon. Quelqu'un t'a déjà appelé, j'ai toqué. C'est Bernard qui me dit que non, je pars d'abord grand Kevin, je toque, rien. Je repars là où elle vit avec son mari. J'appelle. Oh my god, dehors comme une. J'étais devant. Voisine. J'étais dehors comme une clown. J'ai chié. Je ne peux pas me coucher, je ne peux pas me dire, vas-y, je reconnais, je m'allonge, tape-moi. Je reconnais mon erreur. J'ai envoyé à Michel seulement. J'ai eu au moins 10 coups de fil en me disant que, dis que tu as envoyé à Tatiana. J'ai dit, Tatiana est mon ennemi. Marie-Thérèse Babon m'a dit ceci. C'est ce que j'ai. C'est dit, c'est une grande soeur qui est, je ne sais pas. Ne manque jamais sur quelqu'un. Même si tu as le problème avec quelqu'un. Ne reconnaît toujours ses valeurs. Si la personne est là, je ne sais pas parce que vous avez compris que tu vas dire que non, Abimar Kouani, ne manque pas sur quelqu'un. Je vais dire, et je vous jure que si j'envoyais cette vidéo à Tatiana et à Michel, je n'allais jamais soupçonner Michel. J'allais dire que c'est Tatiana, que même si c'était Michel qui allait envoyer, parce que pour moi, Michel ne sait pas mentir. Pour moi, c'est. Elle est comme moi. Moi, quand je dis que j'ai fait. Si je vole, on m'attrape. Ceux qui me connaissent, ils veulent te dire que j'ai volé, j'ai menti, je dis, c'est quand j'étais pauvre à l'époque là qu'on avait faim, que tu faisais, quand tu pars chez le voisin, tu finis de manger, tu as peur de partir, on va dire que comme elle a fini de manger là, elle va déjà partir. Je finis de manger, enfin, je pars chez moi, je reste pour faire quoi? Je suis venue manger, je pars. Hein? 10 coups de fil, dis que tu as envoyé Tatiana. Pourquoi je vais mentir sur Tatiana? Je n'ai jamais envoyé cette vidéo à Tatiana. Jamais, je n'ai jamais envoyé cette vidéo à Tatiana pour rien au monde. C'est faux. Puisque je vais la laver tout de suite là, je peux aussi vous dire que je l'ai envoyé. Jamais.
Deux jours après, je pars donc chez ma voisine, je l'appelle, j'appelle. Bernard me dit que rentre chez toi. Elle ne va jamais te prendre le téléphone. Je rentre chez moi. Je fais quoi? Je suis partie, j'ai fait le premier pas. Deuxième, j'ai fait tous les pas pour demander pardon à ma voisine. Donc, et maintenant, ma voisine est fâchée parce que je reparle à Tatiana.